Il t'a marqué quand il t'a marqué mon chevron là. J'ai fait le calabre aussi. Mémoire de feu. Et un signe de feu s'est allumé la semaine dernière. Après mon chevron là, j'ai vu mon chevron là. C'est un signe de feu s'est allumé un an après. Allez, comment il fait bien. Garant de mémoire. De mettre les caisses à l'intérieur, puisque nous partons d'ici quelques jours. Seulement les instruments. Vous resterez pas pieds dans le tas. C'est dommage. Guy Mignot. Aïeux, Guy. Il était jeune dans le temps. Il est en franqueur, il est beaucoup plus vieux que ça. Il a moustache blanche. Franqueur. Je me rappelle, c'est la ferme avec ça. C'est un franco ontario. C'est un spectacle. Qui fait ça fait plaisir d'entendre ça. Il joue dans la séquence. Parce que des fois, on sait jamais. Marc Bellard. Il faisait jouer à la séquence. Puis je sais que la chanteuse Amélie Bray jouait là-dedans. Elle chantait mon cœur tout le temps. Elle a pris pour te garder de Noël Corps. Puis je j'entends d'autres. Pour dommage, c'est pas des gros dormeux. Mais là, encore moins que Pacifique. Dans ce cas, en remontant, demandez l'Orton à quel moment nous pourrions. Où j'avais vu un numéro avec ma fille, mon père, ma mère, avec quelque chose, je me disais avec un pasteur, c'est bon. Elle serait impérieuse qu'à un moment donné, le docteur puisse être là également. Le mort de fou. Mais bon, c'est assez banal. Je ne peux pas vous en dire comme ça, je regrette que tu l'as trouvé. Jean-Louis Roux, ça fait longtemps qu'il est doux, ça fait longtemps qu'il rouille plus. Qui roule plus. Ça fait longtemps qu'il rouille plus. Mais c'est uniquement pour faire la vega. Ça passe 5 ans, c'est ça. Rien du tout. 4 ans et demi. Presque 5 ans. Dans ces trois-là, il y a Racine Guy Mignot, puis Gabriel, Marianne, le chuchot qui sont encore en... Tu faisais le plus jeune des deux dames, là. Café Mouchot a bien encore, puis Mireille Thibault a bien encore. Il n'y a pas de mal à rien que des beaux hommes, hein. Après, elle était maigre, Café Mouchot, elle était maigre. Dans des chimies, elle est grosse comme un bolard. Elle était maigre dans le temps. Parce que lui, elle est dans le temps que sa mère était maigre. Elle était maigre que ça. Elle avait joué, elle est grosse comme un bolard. Je trouve ça l'aura aussi. Quand vraiment, tu reviens, qu'elle est maigre, j'avais un même âge. J'avais un âge. J'étais le petit. Ça faisait juste. C'est temps que c'était marqué. Nous avons la veille. Je pense que c'est Bella la chanceuse. Pas juste, on dirait. Si Bella met un enfant, non, au lieu d'être ses pères et mères, c'est ça m'attend, ça me nom. Mieux que rien, non? Ben, c'est vrai. J'aurais pas pensé à ça. Tu sais, j'aimerais mieux que Bella ait cet enfant-là sans être mariée plutôt que de l'avoir mariée et partir au loin. Faudrait surtout pas qu'elle s'en débarrasse. Tu penses que ta sœur est capable de se débarrasser de quoi que ce soit qui vienne Bella Cormoran? Oh non. Bella, quand elle va être sûre de son état, elle va se battre de toutes ses forces pour faire accepter cet amour. Elle va être pas sûre. Elle est sûre de rien. Elle a peur de savoir. Quand elle saura, elle va penser. Elle était maigre, qu'elle a une faute dans le temps, genre Morin. Elle est rendue grosse comme un voleur. La Virginie était plus grosse que ça. On vit. Mireille Thibault, elle vient encore. C'est Nicole Leblanc qui est mort. Margot Campbell, elle vient encore. Elle faisait Maria. Puis, mais là, elle la traitait comme une esclave. Elle la maltraitait. Elle n'aimait pas ça. Mais puis, au début, elle était amoureuse de son frère Pacifique, mais pas longtemps. Puis après ça, ça marchait. Oui, puis elle s'est en allée comme ça. Elle s'est en allée chez Mère Viator Bernie. Elle est tombée amoureuse de lui. Puis elle a fait une transaction, elle a voulu avoir Victoria, Monico. Elle avait changé la rien pour Victoria. Mais elle est morte. Elle flâne en robe de nuit dans sa chambre.
Mariette était mieux traitée par Mère Viataponie que par Belle. Je comprends. Lui, au moins, il la maltraitait pas. Il était fait avec. Il n'était pas comme Belle. Est-ce que vous trouvez compliqué, vous autres, les Cormorans? Il l'aimait beaucoup, moi. Pourquoi pas lui parler de vous-même? Margot Calder, je n'ai pas entendu dire qu'elle était décédée. Elle vient encore. Elle vient encore. On la voit peut-être les mêmes. Elle doit être rendue pas mal à aujourd'hui. Elle doit être rendue pas mal bien. La mère, elle vient d'être allée voir. Elle vient de voir. Il y avait des rivales, on la voit plus. Elle vient de voir. On la voit plus. Mais chacun ses petits frères. La mère, leurs deux filles, étaient comme ça. Ils sont tous les trois disparus des radars. Et ses orteils, pour entamer les ondes. Il y en a beaucoup de comédiens qui sont disparus des radars. J'ai aussi le droit de changer les disparus des radars. Et de laver la lingerie personnelle de mademoiselle. Il s'énervait dans le poste. Il s'énervait pour porter un diagnostic. Il s'énervait. Comme vous me l'avez déjà fait lire dans votre dictionnaire médical, symptôme numéro 1, absence de. Des fois, quand je vois ça, là, ça me rappelle ma vie. J'ai tellement envie de pleurer. Quand je vois ça, c'est rafraîchissant parce que ça le vend autant dans le temps. Elle a des raisons de croire. C'est pas comme aujourd'hui. Mais ces raisons ça m'impressionne dans le temps. Même terre humaine, ça m'impressionne. L'héritage, ça m'impressionne. Je me souviens. Parce que à ça, c'était rien que la violence. Mais à ce moment-là, vous étiez encore étudiant. Dans le passé, comment ça s'engueulait, mais moi. Oh. Notre inquiétude a pris fin. Bon point. Ça se battait, mais moi, puis il n'y avait pas de sang. Elle est aujourd'hui, il y a du sang, ça se tabasse, c'est pire. Comme dans la fatalisation, il y avait tout ça. Peut-être qu'il y a une forfaite, mais elle avait tabassé un peu. Elle l'avait rossé, puis il saignait. Aussi, Marie-Chantal Perrault, elle s'est fait rossée. Elle avait tout un écrasé. Elle saignait tout. Dans une, elle fait la boule de qui qui l'avait rossée. J'avais eu la veille d'obtenir la maison avec vous. Jeanne aussi, elle s'est fait rossée plusieurs fois par Bouvard, par Ampère Robertson. Elle s'est fait rossée, puis elle a perdu les moteurs. Moi, je suis médecin, angélique. Quand je serai médicalement certain que ma sœur est enceinte, je pourrai parler. En attendant, je me tais. Voilà, mais c'est tantôt. Correct, j'ai mon mélange. C'est elle qui prétend savoir. Va le changer. Même si elle ne le fait pas. Va le changer. Le jour où je serai médicalement certain de la chose. Dominique Arjus Cormorant. Puisque je considère Wolfgang Gosnabrück comme un ami. C'est drôle, mais c'est pas grave. Va le garder. Je le mettrai pas sur YouTube. Le vidéo, tu peux mettre. Tu sais pas où je vais mettre sur YouTube. C'est pas grave. Ça ne m'appelle pas les voir chez Paris. Où je vais tout le temps aller mettre sur YouTube. On dirait une vraie petite pharmacie, hein? Tout est rangé et étiqueté. Mais d'avoir un peu de logique dans cette maison fou, ça m'apparaît pas obligatoirement comme un défaut. Il y a une lettre pour Bella dans le courrier ce matin. C'est posté de Bécon.